Non, il se lève, enlève sa couronne et court après nous en prenant tous les moyens possibles pour nous sauver, car c'est un père. Katika siku zetu, mbingu mzima zimetikiswa. Na Mungu Baba yetu aliye mfalme wa wafalme, na yeye vile vile ametikisika katika kiti chake cha enzi, wakati anapotazama dunia aliyoiumbwa kuwa katika hatari. Hapana, katika ugumu amesimama, ameondoa taji lake la kifalme na kutuelekea sisi akitembea wazi kwa namna yote, akifanya yote ili apate kutuokoa. Ainsi, tout ce que nous faisons durant cette vie a une signification éternelle. Le Seigneur dit ceci: je vous le dis solennellement, celui qui sème les graines de l'auto-indulgence récoltera une moisson de corruption, et quand il sera face à moi au jour du jugement, je lui dirai: va-t'en, loin de moi, va rejoindre le corrupteur qui t'a corrompu, à moins que j'entende un cri de repentir. Bwana amesema kwa heshima kubwa. Ametuambia yeyote anayepanda mbegu ya kujisamehe mwenyewe atavuna iliyo ya udanganyifu na uovu. Wakati atakapokuwa mbele yangu siku ya hukumu, nitamwambia: ondoka, nenda mbali nami, ukamfuate na uambatane na muovu aliyekudanganya, isipokuwa tu nikisikia sauti ya kitubio. Et c'est le dernier passage que vous pouvez prendre comme méditation. Le Seigneur dit ceci: le matin, sème ta graine d'amour. À midi, sème ta graine de paix. Le soir, sème ta graine de réconciliation. Puis, va récolter ta moisson et offre-la moi. À moi, ton Père dans le ciel. Et je te dirai: dans ta bienveillance, mon enfant, tu as obtenu ta récompense dans le ciel. D'en haut, je vous appelle tous. Venez, venez faire la paix avec moi, votre Dieu, et vous aurez mes bénédictions. Revenez à moi et vous vivrez pour toujours. Amen. Hii neno muichukue kwa kuifikiri. Bwana asema hivi: asubuhi, panda mbegu ya mapendo. Jua kati, panda mbegu ya amani. Magharibi, panda mbegu ya upatanisho na masikilizano. Kisha ukavune na unitolee mavuno yako kwangu mimi niliye Baba wa mbinguni, na nitakwambia: mwanangu, katika wema wako umepata iliyo malipo katika mbinguni. Tokea mbinguni nimewaita wote, njooni, njooni na jongeeni, amani na mimi muijenge, na mtapewa baraka zangu. Murudieni kwangu na mtaishi milele. Amen. Kwa wakati huu taomba koral.
Nitusindikize na wimbo kwa muda mfupi, tupate kufikiri vizuri, mafundisho tunayopokea kwa wakati huu. Na kisha yake, Frère Ange, atatoa matangazo kidogo, atapita kwa mchango. Korani. Nous allons vous donner quelques communiqués. Le premier communiqué, c'est que tout de suite, comme on l'a dit, on va faire une collecte de fonds. Mais je dois préciser ici que ce n'est pas pour Vasula. Comme on nous l'a présenté, elle ne reçoit pas de rétribution à la mission que le Seigneur lui a donnée. Cette collecte, c'est pour suppléer tant soit peu aux dépenses qui ont été effectuées par les organisateurs. Et s'il y a quelque chose de plus, alors en ce moment-là, nous pouvons, par générosité, donner ça aux maisons Beth Myriam, les maisons de Marie qui sont installées dans le monde pour nourrir des enfants de la rue. Mais aujourd'hui, d'une manière plus spéciale, nous avons une demande de nos amis du Népal qui nous ont envoyé des messages de détresse. Comme vous le savez, le Népal est secoué par des séismes. Et il y a beaucoup de morts. Ils demandent de l'aide au monde entier. Et nous faisons partie de ce monde. Et donc, si
Lubumbashi, comme le Congo, peut envoyer quelque chose à nos frères de palais, cela ne fera que la gloire de notre Seigneur. Après, Madame Vasula va revenir encore pour la prière. Pour la prière. Monseigneur me demande de traduire en swahili ce que j'ai dit avant. Sasa tuta toa na ile matoleo haiko juu ya Mama Vasula. Mama Vasula banasema aombe msaada. Ile matoleo itakuwa ya kusaidia wale wenye walitengeneza hii kazi, kama walifanya madepense ya kuenea, kama inatosha njo watakamata kidogo ya kupatia ile manyumba Mama Vasula Aisha yenga dunia mzima, wanaita wanyumba ya Beth Miriam au manyumba ya Mama Maria juu ya kusaidia watoto. Na lakini hii wakati wandugu ya Nepal weko na matatizo mingi juu ya ile tunaita seisme, tremblement de terre ilifanyika kule na kingali kunafanyika, na watu mingi wamefariki na wengine wamekosa chakula na nafasi ya kulala. Na njoo maana walaomba msaada kwa kila wowote, wanaomba msaada kwa inti mzima. Kama tunatolea ya kuenea, kipande ya ile tutatolea inaweza kwenda kufika kule ku Nepal kupitia ile manyumba ya Beth Miriam wenye wanatuandikia na kutomba msaada. Après Mama Vasula atakuya juu ya sala. Ile sala atafanya ni sala moja kubwa sana. Na vile banatonesha hapa, tunapashwa juste kufungula roho yetu. Tunayua kila mtu fashi tuko na matatizo ya kuachana. Chacun a ses problèmes. Et le Seigneur qui voit le plus profond de nos cœurs, il connaît exactement le problème que tu as. Il ne te demande qu'une chose, ouvrir ton cœur. Et donc quand elle va prier, si ton cœur est ouvert au Christ, il te donnera des grâces que lui-même voudra te donner ce soir. Tunatoka kusikia maneno mingi sana, ile Mama Vasula anatoka kusema hapa. Je pense que si tout le monde a été attentif, tout ce qu'elle a lu comme extrait de message nous ont beaucoup frappé. Mais ce ne sont que des extraits, ni tout babipande kidoko. Tout ce qu'elle a dit se trouve dans des livres. Alors, nous allons vous présenter les livres que nous avons ici, disponibles ici à Lubumbashi. Le premier livre, c'est celui que nous appelons le One Book. C'est la version plus ou moins complète de l'ensemble de messages que Madame Vasula a reçu depuis 1985 jusqu'en 2003. Ce livre est disponible dans les stands à toutes les portes de sortie du stade. Nous avons un autre livre, c'est celui que nous appelons tome 1, c'est-à-dire c'est une partie du grand livre. Ce livre est aussi disponible et le prix sont très très abordables. Nous avons mon ange Daniel, pour celui qui veut comprendre comment a commencé le mystère, disons la mission de Vasula, son ministère, surtout les contacts et les dialogues avec son ange gardien, eh bien vous avez le livre intitulé « Mon ange Daniel » qui est disponible. Vient enfin le tout dernier livre qui est cette fois-ci l'œuvre de Vasula elle-même. Parce que pour les autres livres, elle dit que ce ne sont pas ses œuvres, ce sont les œuvres de Dieu. Mais celle-ci, si quelqu'un veut vraiment comprendre, connaître qui est Vasula, même s'il y a des livres qui sont déjà imprimés à ce titre, qui est Vasula, mais celui-ci est exceptionnel. Il retrace tout ce que Vasula a vécu du début jusqu'aujourd'hui. Il y a des
citations, des passages qui vont frapper votre cœur. Je crois que Son Excellence l'archevêque nous a lu ici l'extrait de ces contenus, de ces livres. C'est un très bon livre et je ne peux pas faire trop de commentaires, mais je résume seulement en ces mots que j'emprunte d'un éminent cardinal Prospero Grec du Vatican qui a fait un commentaire sur ces livres en intitulant son commentaire « Message pour toute l'humanité ». C'est comme si c'est une lettre inspirée de Dieu que Madame Vassoula vient nous révéler. Alors, je vous conseille vraiment de lire ces livres. Nous avons aussi des DVD pour ceux qui n'ont pas encore suivi cela. Eh bien, tout est dans les stands. Les stands sont disposés dans toutes les sorties du stade. Vous verrez l'indication où c'est écrit « Ici, on vend les livres de la vraie vie en Dieu ». Je vous remercie. Protocole, taweza kupita na vitunga, juu ya sadaka, korani tusindiza na wimbo.
mbio, kama mbio ya Yesu hatulenga matabakia. Watulenga matabakia, utabakia, utabakia, wenye choyo, atabakia, wamata, atabakia, wasipo wamini, utabakia. Amani pura na sasa mama Vasula atatoa sala. Ni sherti kila mmoja wetu apime kuingia ndani mwake, atambue magumu anayo katika maisha yake, kazi yake, nyumba yake, pia magumu ya nduku zetu, magumu ya nchi yetu, magumu ya jimbo yetu. Tujiweke sisi wote mwali ya sala, na kisha sala hii baba kina askofu ataweza tubariki sisi wote na tutaachana. Kumbe kwa wakati huu tujilinde, tulinde ukimya na tujiweke mwali ya sala. Qu'est-ce qu'il y aura à la traduction? Wanugu wapenzi jambo yenu.